Alors, on se retrouve pour la suite. Ce sont les dames. Donc, les dames, le but est de ne pas remporter de dames ou alors toutes les remporter. Chaque dame coûte moins 20 points, mais si on les a toutes, on marque plus 40 points. Alors, on mélange les cartes. Un petit coup à la machine et maintenant un petit coup à la main. Hop, c'est à Bibou de distribuer et c'est Roger qui commencera. Donc, Bibou décide de distribuer les cartes deux par deux. Comme Gérard. Hop. Et Roger va commencer, donc pas attraper de dame ou alors toutes les avoir dans son jeu. Oula, alors là, je crois que Bibou doit être servi au niveau des dames. Ouais, il en a trois. Le pauvre Bibou n'est pas en veine ce soir. Alors, c'est à Roger de commencer. Roger décide de mettre un 8 de carreau. Donc on doit suivre à la couleur. Tintin n'a pas d'8 de carreau, alors il va se débarrasser de l'as de cœur. Ici, Manon a le 7 de carreau qu'elle met. Et Bibou va décider de mettre le valet de carreau. Bibou remporte le pli. Pas dangereux pour l'instant parce qu'il n'y a pas de dame. Et Bibou décide de mettre. Alors il regarde le pli intéressant ici. 3 carreaux, 4, 5. Bon, allez, il se dit, hop, je tente la dame de carreau, peut-être que quelqu'un va monter. Alors, Roger, lui, joue son 9 de carreau. Ici, Tintin va jouer son roi de pique, comme ça, le roi étant maître sur la dame, eh bien, comme il n'a pas de plus grosse carte que le roi, il est certain de ne pas attraper la dame de pique. À moins que quelqu'un se défausse sur un autre pli. Ici, Manon a l'as de carreau, elle est obligée de le mettre, donc Bibou a bien joué, puisque Manon se retrouve déjà avec une dame. Alors Manon a une autre dame. Mais ce qu'il y a, c'est que pour gagner, il faut les quatre. Hein. Mais avoir les quatre, c'est pas facile. Alors Manon décide de jouer le 7 de pique. 7 de pique, ici Bibou a la dame et le 9, il met le 9. Ici Roger a le 10, il met le 10. Et Tintin a le valet, il prend le pli puisque de toute façon il n'y a pas de dame dedans. Tintin joue le 7 de cœur. 7 de cœur, Manon joue le 8 de cœur. Bibou a la dame de cœur, il est obligé de la mettre. Et ici, eh bien, Roger lui laisse en mettant le 10 de cœur. Donc là, Manon n'aura pas les 4 dames. C'est certain. Alors, Bibou va jouer le 9 de trèfle. Roger va jouer le roi de trèfle. Tintin va jouer le valet de trèfle. Et Manon va jouer, eh bien, la dame de trèfle, puisqu'il y a le roi qui est mis. Le roi qui a été mis par Roger. Donc Roger récupère la dame de trèfle. Roger va jouer le valet de cœur. Tintin le 9 de cœur. Plus de cœur ici. Manon se souvient que la dame de pique n'est pas tombée. Elle met son as de pique. Et Bibou n'ayant pas de cœur va mettre la dame de pique. Et Roger récupère la dame de pique. Alors toutes les dames sont tombées. Donc maintenant, peu importe ce qui va être joué. C'est pas bien grave. Alors, le jeu pourrait s'arrêter ici, puisque toutes les dames sont tombées. Hein. Donc, les deux plis ici ne serviront absolument à rien. Donc, on pourrait dire, quand les quatre dames sont tombées, on arrête la partie. Voilà, puisque là, de toute façon, ça ne sert à rien, pardon. Alors, Manon a une dame. Donc, moins 20 points pour Manon. Alors, on va mettre dame. Moins 20 points pour Manon. Ici, Bibou a une dame. Moins 20 points pour Bibou. Ici, Roger, une dame. Deux dames. Donc, ça fait quatre dames en tout. Donc, moins 40 pour Roger. Et Tintin, qui a l'air en veine ce soir, eh bien, marque 0 points. Alors le joueur qui gagne à la fin, celui qui a le plus de points. Donc pour l'instant c'est Tintin puisqu'il a 0 et les autres sont tous en négatif. Voilà pour la manche les dames. Merci d'avoir suivi cette vidéo
Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui s'appellera le dernier pli. Voilà pour la suite du jeu Le Barbu.